Bonjour à tous, bonjour à toutes. Là aujourd'hui, Goldorak, encore. Alors, tout simple, j'étais arrivé à Goldorak 2, Goldorak 3, Goldorak 4, on va arriver. Donc, j'ai reçu ma collection aujourd'hui. Normalement, c'était arrivé samedi, d'accord? Comme c'est à la poste, donc j'ai récupéré aujourd'hui à 16h. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, tout simple. Alors, aujourd'hui, j'ai quelque chose en plus. Quelque chose en plus. Un sac avec un t-shirt de Goldorak, taille L, au lieu d'avoir. Bon, pas grave. Est très intéressant, donc c'est ma collection de Goldorak. Donc voilà, c'est un petit t-shirt qui est compté, c'est gratuit bien sûr et compris dans mon truc. Voilà. Alors, donc toute la collection est là. 4 DVD dans ma commande. Enfin, ma commande, c'est pas vraiment ma commande, c'est mon abonnement. Bon. Donc voilà. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, rigoler, moi. Non. Bon. Alors, je reviens tout de suite. Tout de suite parce que j'ai pas envie de dire des bêtises à rapport la collection tout simplement parce qu'il y a des chiffres à respecter. Alors ça c'est le DVD, d'accord, DVD 13. Ça c'est le 13. Ça, c'est 12. Voilà. 12. 13, 12. 12, 13, 14, 15. Donc, en gros, il y a 15 DVD. 15, on est arrivé au numéro 15. Ça, c'est 14. Ok. 14. Et là, c'est le dernier, c'est le 15. Ok. Donc, toute la collection, là, je suis arrivé à 15. Donc, je reprends ma collection. Donc, je reprends la collection. Je reprends ma collection. Tout simple. Donc, bon. J'étais arrivé au 11e DVD. D'accord, j'étais arrivé au 11e DVD. Avec Minos. Ok? Donc, bon, bref. 11. Et là, 11. Qui arrive à 15. Donc, 4 DVD qui vont apparaître. D'accord, c'est très bien, hein. Moi, franchement, je suis content, tout. Voilà. D'accord. Hein. Donc, toi, tu vas pas t'éteindre, espèce de caramel, là. Voilà.
on va essayer de déballer les DVD. Donc on va commencer par les premiers. On commence toujours parce que là, j'aurai pas trop le temps aujourd'hui. Je vais regarder parce que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Pour vous dire la vérité. Donc, ça c'est le DVD 12, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. DVD 12. Bon, Donc, désolé, j'ai pas le générique de Goldorak en vidéo. Hein, j'aurais fait ça, ça aurait été bien. Mais bon. Donc, c'est pas grave. Au moins, vous aurez une petite un petit aperçu. Voilà, je vais y arriver comme on veut. Hein. Donc, là. Voilà, je l'ai déballé. Encore. Donc, ça va faire nécessaire. Hein. Ça, je mets ça là. Là, je vais ici, comme ça, il ne va pas m'embêter. Ça, je le mets en dessous. Et ça, il va me servir comme sac à poubelle, là. Je vais mettre les petits trucs. Voilà. D'accord. Donc, parce que là, donc, je déballe tout, mais je ne regarderai pas. Fascicules quand même pas mal, hein, ça change pas toujours avec les petits passages hein, du film, mais ce que j'ai remarqué c'est toujours pareil hein, c'est toujours le même truc ici hein, mais sinon le reste ça va. Donc ça voilà, ça ça va là-dedans. Donc voilà. Donc on arrive toujours. J'aime bien Goldorak. Hein. Alors pour vous dire quelque chose, je risque d'avoir pas tout de suite. Hein. Je vais faire une recherche d'un dessin animé que c'est Princesse Sarah. Et aussi la recherche d'un autre dessin animé que j'aime bien aussi, c'est Candy, Legendary. Donc voilà, ces deux dessins animés, je vais les attraper. J'essaie de rattraper aussi d'autres, mais bon, voilà. Je suis un passionné de ces dessins animés-là, et je ne changerai pas. Alors, pour ceux qui aiment bien, et aussi peut-être... voilà. Goldorak qui fait son fulgur au point. Voilà. Voilà. On continue toujours sur le même sujet. Allez, pas fini, hein. Il y a 4 DVD à déballer. Alors là, c'est avec Golgoth. Voilà, ça c'est un Golgoth. Ok. Poster de Golgoth, etc. Comme d'habitude, ça change pas. Voilà. Donc, comment dire. Franchement, je suis. Pour vous dire la vérité, je suis très content. Tout simplement, je suis très content. Alors, je vous ai vu, hein, vous avez vu, je vous ai fait présenter ma guitare. Ça c'est très bien donc tout simple, c'est déjà pas mal hein. Alors par contre pour l'accordeur je l'ai mis en attente parce que je risque d'avoir mon accordeur à la prochaine commande. Pour l'instant je ne commanderai pas jusqu'à au mois de février. Au mois de février il n'y a pas de commande à faire, et au mois de mars oui je vais commander parce que donc tout simplement, au mois de mars, hein, je commande un truc, peut-être. Et grosse commande quand même, hein. Peut-être je vais rajouter quelques trucs encore en plus. Donc,
vénère sa mère. Et dernier DVD. Goldorak, toujours. Numéro 10. Numéro 15. Numéro 15, et c'est le dernier. Voilà, tout simplement. Donc, et voilà. Voilà, tout simplement. Et il n'en manque que quelques-uns. Donc il en manque un peu. Vous voyez? Donc voilà. La commande s'est construite. Tout simplement. Et vous voyez qu'il me reste encore une petite espace. Il me reste 3 DVD. Et c'est fini ma collection. Donc je suis très content de ma petite collection, même si c'est un peu, on peut dire un peu la vérité, hein. C'est un tout petit peu plus cher que la commande, que celle, que l'autre collection. Après, ça dépend des collections, il y en a qui sont un peu plus chères, hein. Il y en a des collections un peu plus chères de Goldorak, hein, faut pas dire. Par exemple, il y a peut-être celle avec Goldorak, celle qui est fabriquée en Goldorak, je sais qu'on n'a pas son tarif, j'ai pas encore regardé. Mais c'est intéressant. Après, il y a la version Blu-ray. Alors, Blu-ray, c'est un peu plus cher que les DVD. Voilà. Bref, voilà, ça fait un peu plus cher, mais je suis très content. Et tout simplement, voilà, c'est quelque chose que je voulais. Et tout simplement, je suis très satisfait de ma collection. Donc, je regarderai au fur et à mesure, s'il y aura des nouveautés, comme par exemple l'autre... d'autres trucs tout simple, d'autres dessins animés qui m'intéressent chez Hachette, et là je prendrai tout simplement. Bah écoutez, bientôt il y aura une petite vidéo très spéciale sur mon pont, parce que ça je l'ai reçu, j'avais bien reçu, mais je viens d'apercevoir qu'il manque un petit truc. C'est vrai, il manque un petit truc sur mon pont, et voilà. Bon, bref, je ferai une petite vidéo là-dessus et vous verrez que, quand même, franchement. Je pensais que c'était très compliqué à monter. Et ben non, c'est plus facile qu'on croit. Voilà, tout simplement. Plus facile qu'on croit, et surtout. Bon, allez. Allez, je vous remercie. Et surtout, bonne continuation. Bye bye, à plus.